Céleste phalange, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ce jour que tu nous donnes, mon roi. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ta faveur qui parle dans nos vies. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ton sang qui crie victoire, faveur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci, 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 merci Yahweh. Merci mon Dieu, nous te disons merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci, 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 merci Yahweh. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci encore Père pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tes bienfaits. Merci toi qui étais avec nous toute cette nuit pour tous ceux qui sont en un nouveau jour de l'autre côté du monde. Nous voulons te magnifier et te célébrer. Nous voulons élever nos voix et te rendre toute la gloire. Bien-aimé, depuis l'endroit où tu te trouves, est-ce que tu peux élever tes deux mains, élever ta voix et lui dire merci? Est-ce que tu sais que beaucoup ont voulu voir ce jour, mais ils ne sont plus? Beaucoup ont voulu atteindre cette heure, mais ils n'ont pas pu. Mais lui, dans sa grâce et sa miséricorde, nous accorde le souffle de vie. Renouvelle envers nous ses bontés ce matin. Bien-aimé, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci pour ta maison, pour ta famille. Dis-lui merci. Lui qui n'a pas permis que les mauvaises nouvelles s'établissent chez toi. Dis-lui merci, bien-aimé. Pour l'œuvre accomplie à la croix, dis-lui merci. Pour cette œuvre qui te donne la victoire en continu, dis-lui merci. Pour le sang qui parle victoire, rachat, dis-lui merci. Élève ta voix, bien-aimé, en ces nouveaux jours et dis merci au roi des rois. Dis merci au Seigneur des seigneurs. Dis merci au vainqueur de Golgotha. Dis merci à l'auteur de la vie. Dis merci à ton Seigneur, à ton Sauveur. Père, nous te magnifions. Père, nous te célébrons. Père, nous t'exaltons. Pour tous tes bienfaits, nous te célébrons et te disons merci. Merci, Dieu de gloire. Nous te célébrons, éternel Dieu. Nous te glorifions, nous te rendons grâce éternellement. Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, nous te rendons grâce, éternel Dieu, pour ta main qui est posée sur nous, pour ta faveur qui a été sur nous toute cette nuit. Seigneur, sois magnifié, sois glorifié. Nous te prions, Père, de visiter tous ceux-là qui ont été privés de sommeil cette nuit. Seigneur, nous te prions de les fortifier, de les soutenir. Seigneur Dieu, tous ceux-là qui ne sont pas encore le matin chez eux, Seigneur, nous te prions de les visiter. Seigneur, vois, localise, repère, éternel Dieu. Donne-nous, Seigneur, en cette matinée, en ces temps de prière, non seulement les paroles qu'il faut, le langage qu'il faut.
Donne-nous l'intelligence spirituelle qu'il faut. Donne-nous, Seigneur, la facilité de prier, de communiquer qu'il faut. Donne-nous surtout, Seigneur, les cœurs, au nom de Jésus de Nazareth, de ceux-là qui s'attachent à toi et qui t'aiment. Glorifie ton nom et règne. Éternel notre Dieu, accorde la capacité au jour d'aujourd'hui à ton peuple de rester éveillé, de persévérer avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Dis encore avec moi ce matin. Merci Seigneur Jésus, toi qui renouvelles tes bontés envers moi ce matin. Merci pour ce jour merveilleux. Je prends autorité en ce jour, au nom de Jésus. Je dis, je prends autorité en ce jour, au nom de Jésus. Je décrète que ce jour, toutes les forces élémentaires vont coopérer avec moi et vont refuser de coopérer avec mes ennemis. Je m'adresse à vous ce matin. Soleil, ne frappez pas ma famille et moi, au nom de Jésus. Je dis, je renverse toute énergie négative qui vise à agir contre ma vie en ce nouveau jour. Lève ta main droite et dis avec moi, je démantèle toute puissance proférant des incantations pour capturer ce jour. Je dis tout pouvoir dans cet environnement, tout esprit dans ma famille, dans ma belle famille, tout esprit dans mon lieu de service qui fait des incantations pour capturer ce jour. Au nom de Jésus, je te démantèle. Je te démantèle. Je prends autorité en ce jour. Et j'annule les agendas sataniques et je décrète. Je ne vais pas subir ce nouveau jour, mais c'est ce que je dis qui s'accomplit. Je rends nul et vide les incantations et les prières sataniques sur ma vie et ma famille. Au nom de Jésus, je rends nul et sans effet les pièges et les choses que l'ennemi a programmées en ce nouveau jour pour ma vie et ma famille. Au nom de Jésus, je dis, je retire ce jour des mains de l'ennemi. Je dis, esprit de faveur, esprit de conseil, esprit de force, esprit de puissance, remplis-moi, remplis-moi, remplis ma maison, remplis mes enfants, remplis mon conjoint, bien-aimé, prie, esprit de faveur, esprit de conseil, esprit de force, esprit de puissance, remplis-moi, 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 remplis mon conjoint, remplis ma maison. Remplis mes enfants au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis, je vais exceller et rien ne me bloquera. Je vais de l'avant. Je possède mes possessions. Je possède les portes de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, toute bénédiction qui est appelée à me parvenir en ce jour, du nord au sud, de l'est à l'ouest et même en passant par le centre, de partout où tu te trouves, tu es détaché et tu viens à moi. Tu es détaché, tu viens à moi. Tu es détaché, tu viens à moi. Je dis, le Seigneur en ce jour me oint d'une huile de joie. Le Seigneur en cette fin d'année et en cette nouvelle année me oint d'une huile de joie au-dessus des autres. Au nom de Jésus-Christ, je décrète, le feu de l'ennemi ne me brûlera pas. Le feu de l'ennemi ne me brûlera pas ma maison. Bien-aimé, depuis l'endroit où tu te couvres, fais ces déclarations matinales. Mes oreilles entendront de bonnes nouvelles. Je n'entendrai pas la voix de l'ennemi. Je ne serai pas au jour d'aujourd'hui à un endroit où je ne dois pas être. Je dis, mes oreilles n'entendront que de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu m'a créé afin d'accomplir des bonnes choses. Il a confié à mes mains certaines tâches qu'il n'a confiées à personne d'autre. Il ne m'a pas créé pour rien. Au nom de Jésus, je déclare, j'accomplirai l'œuvre que Dieu a déposée dans mes mains. Je suis un agent de paix. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, il n'y aura aucune pauvreté du corps, aucune pauvreté de l'âme, aucune pauvreté de l'esprit dans ma vie, dans mes enfants, dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare, je ne travaillerai pas en vain. Je ne travaillerai pas en vain. Mon conjoint, mes enfants ne travaillent pas en vain. Au nom de Jésus, je marcherai tous les jours dans la victoire, dans la liberté d'esprit.
au nom de Jésus. Je dis ce matin, je reçois une bouche, une sagesse contre laquelle mes adversaires seront incapables de résister au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je décrète en ce nouveau jour toute bataille dans les lieux célestes. Tu es remporté en ma faveur. Tu es remporté en ma faveur. Tu es remporté en ma faveur. Les anges qui conçoivent les bénédictions aujourd'hui, ils ramènent mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, Père, lève ta main droite. Père, en ce nouveau jour, que le méchant soit expulsé de mes parvis, qu'il soit expulsé de mon ciel, qu'il mange sa chair et boive son sang, que l'agenda de Satan façonné contre ma maison, l'agenda de Satan façonné contre ces lieux, l'agenda de Satan façonné contre ma vie, contre mon conjoint, avorte, avorte, avorte. Je ne subirai pas les décisions de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je dis, soleil, lorsque tu te lèves ce matin, déracine toute méchanceté dirigée contre ma vie. Déracine toute méchanceté dirigée contre ma vie. Je programme des bénédictions dans le soleil pour ma vie. Je dis, je programme des bénédictions dans le soleil pour ma maison. Je programme des bénédictions dans le soleil pour mes enfants. Au nom puissant de Jésus, lève la main droite. Dis avec moi, soleil, soleil, je me suis levé avec toi. Je me suis levé avant toi. Alors j'annule tout programme malin projeté en toi par les puissantes méchantes contre ma vie au nom de Jésus. Je dis, soleil, soleil, je me suis levé avant toi. J'annule tout programme malin projeté en toi par les puissances méchantes contre ma vie, par les puissances méchantes contre ma maison, au nom de Jésus. Je dis, ce jour, tu ne détruiras pas ma prospérité au nom de Jésus. Déclare, 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 ce jour, tu ne détruiras pas ma prospérité au nom de Jésus. Je dis, ce jour, tu ne détruiras pas ma prospérité au nom de Jésus. Ô soleil, reprends l'affliction qui a été libéré sur toi pour moi en ce jour. Et retourne cette affliction à l'expéditeur. Retourne cette affliction à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je crie à toi ce matin. Lève-toi et déracine tout ce que tu n'as pas planté dans les lieux célestes et qui œuvre contre moi au nom de Jésus. Mon Père, déracine par ta puissance tout ce que tu n'as pas planté dans les lieux célestes et qui œuvre contre ma maison et qui œuvre contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, que le méchant soit ébranlé, que le méchant soit expulsé jusqu'à ce que, au nom de Jésus-Christ, il meure de sa mort. Il meure de sa mort. Ce matin, je programme des bénédictions dans le soleil pour moi. Je programme des bonnes nouvelles dans ma maison. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je dis, j'annule les programmes sataniques élaborés contre moi en ce jour. Au nom puissant de Jésus, je dis, j'annule les programmes sataniques élaborés contre ma maison en ce jour. Au nom puissant de Jésus, je les annule, les programmes sataniques qui sont élaborés contre ma vie, contre ma maison en ce nouveau jour. Au nom puissant de Jésus. Je dis, ce jour, je reçois la bonté du Seigneur sur la terre des vivants au nom de Jésus. Je dis, cette fin d'année, cette nouvelle année, je reçois la bonté du Seigneur sur la terre des vivants au nom de Jésus. Que tout ce qui a été fait contre moi pour détruire ma joie cette année 2024, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Je dis, tout ce qui a déjà été fait contre moi pour détruire ma joie en ce nouveau jour, en cette fin d'année 2023, en cette année 2024, que cela soit détruit par le feu, que cela soit détruit par le feu, que cela soit détruit par le feu. Oui, mon frère, ma soeur, prie que tout ce qui a déjà été fait contre toi pour détruire ta joie en ce jour, pour détruire ta joie en cette fin d'année, pour détruire ta joie en cette nouvelle année 2024, que cela soit détruit, que cela soit détruit par le feu au nom de Jésus, que ça soit détruit, que les destructeurs de joie, les agents de maladie et de pauvreté, les agents
d'accidents et de tragédies soient détruits par le feu, soient détruits par le feu. Je dis tout ce qui a déjà été fait contre moi pour détruire ma joie, pour détruire la joie de mon conjoint, pour détruire la joie de mes enfants. Ce jour, cette année, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme Abraham avait reçu la faveur de tes mains, fais que je reçoive aussi ta faveur afin d'avancer. Fais que je reçoive la faveur. Seigneur, accorde-moi ta faveur. Seigneur, accorde-moi ta faveur ce jour. Accorde-moi ta faveur en cette nouvelle année. Accorde-moi ta faveur en cette nouvelle année. Que tout esprit de défaveur, tout esprit de disgrâce quitte ma vie, ma maison, quitte mon conjoint, mes enfants. Esprit de disgrâce, esprit de défaveur, quitte mon conjoint, ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, crée généreusement avec moi cette année au nom de Jésus. Crée généreusement avec moi cette année au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, crée généreusement avec moi ce jour au nom de Jésus. Crée généreusement avec ma maison, avec mes enfants, avec mon conjoint cette année, ce jour au nom de Jésus. Peu importe que je le mérite ou non, je reçois une faveur incalifiable du Seigneur au nom de Jésus. Peu importe que je le mérite ou non, je reçois une faveur incalifiable du Seigneur au nom de Jésus. Peu importe que je le mérite ou non, que mon conjoint, que mes enfants le méritent ou non, nous recevons une faveur incalifiable du Seigneur au nom de Jésus. Toute bénédiction que Dieu n'a pas dispensée cette année, au nom de Jésus, que Dieu m'a dispensé cette année, ça ne m'échappera pas. Je dis toutes bénédictions que Dieu a déposées pour moi ce jour, a déposées pour moi cette année, ça ne m'échappera pas. Ça ne m'échappera pas. Ça ne m'échappera pas. Je dis ma bénédiction. Tu ne seras pas transmise à mes ennemis. Tu ne seras pas transmise à mes voisins. Au nom de Jésus-Christ, voleur de bénédiction. Toi qui viens pour me dépouiller, sois dépouillé cette fois, que le peu que tu avais reste chez moi, au nom puissant de Jésus. Père éternel, prie. Père éternel, mets en disgrâce toute puissance levée pour dévorer, pour dérober ton programme pour ma vie, au nom de Jésus. Père éternel, mets en disgrâce toute puissance levée pour dérober, ton programme pour ma vie au nom de Jésus. Je dis toute démarche que je fais ce jour, que je fais cette année, me conduira à un succès exceptionnel. Je dis toute démarche que mes enfants font, que je fais en cette année 2024 au nom de Jésus. Ça me conduit à un succès exceptionnel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que ta volonté n'est pas au jour d'aujourd'hui que je périsse. Ta volonté n'est pas que quiconque te périsse. Tu veux que tous vivent. Tu veux que je vive heureux et longtemps. Père, au nom de Jésus, je prie que tu donnes à mes enfants, à mon conjoint, à moi-même, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation pour te connaître, pour avancer avec toi. Bien-aimé, prie. Père, au nom de Jésus, donne à mes enfants, donne-moi, donne à mon conjoint l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation pour te connaître au nom de Jésus. Que toute forteresse de l'ennemi, au nom de Jésus, toute forteresse de l'ennemi dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon conjoint qui empêche à Jésus de s'établir, que ces forteresses-là soient renversées, que ces forteresses-là soient renversées. Que ces forteresses-là soient renversées au nom de Jésus-Christ. Je dis que tous les obstacles entre le cœur de mon conjoint, entre le cœur de mes enfants et même mon cœur au nom de Jésus-Christ qui empêche à l'évangile de s'établir pleinement soient renversés au nom de Jésus. Que ces obstacles soient renversés au nom de Jésus. Je dis tout homme fort associé à la vie de mes enfants, tout homme fort associé à la vie de mon conjoint, tout homme fort associé à ma vie, qui empêche au nom de Jésus la plénitude du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, qu'il tombe et meure. Seigneur, en ce jour, bâtis une haie d'épines de feu autour de ma maison,
autour de mes enfants, autour de mon conjoint, que nos sorties, que nos entrées soient couvertes dans le sang de Jésus. Je m'élève contre les esprits de malédiction, contre les esprits d'accident, contre les esprits d'incident, contre les esprits de tragédie en ce nouveau jour, au nom puissant de Jésus. Je dis esprit de mort, esprit de l'enfer, tu lâches ma vie et ma maison. Tu lâches ma vie et ma maison. Tu lâches ma vie et ma maison. Je dis esprit de mort, esprit de l'enfer, tu lâches ces lieux. Tu lâches ces lieux. Bien-aimé, prie. Esprit de mort, esprit de l'enfer, tu lâches ces lieux. Tu lâches ces lieux. Lâche ma vie. Lâche ma maison. Lâche ma vie. Lâche ma maison. Lâche mes enfants. Esprit de mort, esprit de l'enfer, je te reprime par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je dis de cette maison, je te reprime. Je te reprime de ma vie, de mon conjoint, de mes enfants. Esprit de mort et de l'enfer, sors au nom de Jésus. Va-t'en, libère ma vie, ma maison. Libère, libère, libère en ce lieu. C'est Jésus qui demeure, c'est Jésus qui règne, au nom de Jésus-Christ. Je dis esprit de mort et de l'enfer, je dis au nom de Jésus, va-t'en, 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 au nom puissant de Jésus. Je dis, je prends autorité ce jour et je lis tout esprit d'aveuglement mental dans cette maison. Esprit d'aveuglement mental sur ma vie. Esprit d'aveuglement mental sur la vie de mon conjoint, sur la vie de mes enfants. Je te lis et je te reprime. Je te lis et je te reprime. Je dis, je te relis et je te reprime. Je reprime les forces de l'embrouille. Je chasse l'esprit de folie de cette maison, de ce quartier, de cet endroit. Je chasse les esprits de folie. Je reprime les esprits de lourdeur. Je reprime les esprits d'aveuglement spirituel au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, que l'aveuglement spirituel soit effacé de ma vie, soit effacé de mon conjoint, de mes enfants. Je m'élève ce matin contre les puissances des ténèbres qui aveuglent et qui attaquent mes enfants, contre les puissances des ténèbres qui aveuglent et qui attaquent ma vie, mon conjoint. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de la puissance des airs, je t'ordonne ce jour de relâcher ton emprise sur mes enfants, sur ma vie, sur mes affaires. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce que tu retenais dans cette maison, dans cet environnement, dans ma famille, dans ma belle famille, pour qu'ils n'acceptent pas Jésus, tu les lâches au nom de Jésus. Tu les lâches au nom de Jésus. Tu les lâches au nom de Jésus. Je dis ce jour, je déchire et j'écrase toute forteresse de mensonges qui retenait mon conjoint et mes enfants dans le camp de l'ennemi. Je déchire et j'écrase les forteresses de sorcellerie, les forteresses de mensonges qui retenaient mes enfants et mon conjoint dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Père, dans le nom de Jésus, que mon conjoint, que mes enfants, bien-aimés, fassent cette prière s'ils n'ont pas encore cru. Qui sortent du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Qui sortent du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Au nom de Jésus, Seigneur, que ton plan et ton dessein dans leur vie, au nom de Jésus, s'accomplissent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je dis, toute imagination des méchants en ce jour, dans ma vie, échoue. Que tous ceux qui se moquent de moi entendent des bonnes nouvelles et de bons témoignages venant de ma maison. Au nom puissant de Jésus, je dis Père, dans le nom de Jésus, que mon ridicule soit converti en miracle. Que le ridicule soit converti en miracle dans ma vie, dans ma maison. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je dis toutes les puissances qui soutiennent les décisions méchantes contre moi, soyez mises en disgrâce ce matin. 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 Je dis esprit de Balaam, engagé pour me maudire au nom de Jésus. Tu finis comme Balaam au nom de Jésus. Tu finis comme Balaam au nom de Jésus. Je dis esprit de Balaam, engagé pour maudire mes affaires, engagé pour maudire mes enfants. Tu finis comme Balaam au nom de Jésus. Je dis esprit de Sambala au nom de Jésus-Christ qui fomente le mal contre moi.
reçois les pierres de feu. Que tout esprit d'Égypte tombe comme Pharaon est tombé. Que tout esprit d'Hérode soit mis en disgrâce au nom de Jésus. Que les esprits de Goliath ce jour reçoivent les pierres de feu au nom de Jésus. Je dis que tout esprit de Pharaon tombe dans la mer rouge et c'est avec ses propres œuvres et ses agents qui ont juré ne pas me laisser au nom puissant de Jésus. Je dis manipulation satanique visant à changer mon destin au nom de Jésus-Christ. Soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti. Sois anéanti au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends contrôle de ce jour. Prends contrôle de nos sorties. Prends contrôle de nos entrées. Même ceux qui ne se déplacent pas. Seigneur, que ta main de grâce les visite. Au nom puissant de Jésus. Que les conseils des méchants dans ma vie, dans ma maison, au nom de Jésus-Christ, soient annulés. Soient annulés. Soient annulés. Soient annulés. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés. Ouvre ta Bible dans le psaume 91. Ouvre ta Bible avec moi ce matin dans le psaume 91. Et tu vas personnaliser ce psaume 91. Amen, amen. Dis avec moi. Comme je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, déclare avec moi. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car, Éternel, tu es mon refuge. Je fais de toi ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Déclare, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Car, Seigneur, tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur les mains de pierre que mes pieds ne heurtent contre une pierre. Je marche sur le lion, sur l'aspic. Je foule le lionceau et le dragon. Puisque je t'aime, tu me délivres, tu me protèges, puisque tu connais mon nom, puisque je connais ton nom. Je t'invoque et tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse, tu me délivres et je te glorifie. Tu me rassasies de longs jours et tu me fais voir ton salut. Amen. Seigneur, je te dis merci. Toi qui me fais voir ton salut, toi qui fais voir ton salut à ma maison, je te bénis et je te célèbre. Je te loue et je t'exalte. Toi qui me donnes au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que j'imagine, sois magnifié, sois élevé, sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, tu as un dossier particulier, une intention de prière particulière. Continue, lorsque nous arrêtons ces temps-ci avec toi, toi continue en prière, présente ce dossier à Dieu. Présente ce fardeau qui est dans ton cœur au Seigneur. Continue ta prière en ce nouveau jour. Continue de parler à Dieu. Termine tes prières avec des actions de grâce. Loue-le. Fais-lui confiance. Tu verras sa main opérer dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen.